Salut à tous et bienvenue dans Cuisine Today. Aujourd'hui, on va faire un tour par le jardin avec ce joli garden cake. Pour le matériel, il vous faudra pas grand chose. Il vous faudra un moule, un fouet, un récipient et une spatule en silicone. Pour les ingrédients, là, il faut un peu plus de choses. Il vous faudra deux préparations pour un moelleux au citron, quelques chamallows, du chocolat noir, des framboises et du jus de framboise, des fingers, des smarties, deux Mikado, du Nutella et des petits vermicelles pour la décoration. Passons maintenant à la recette. Suivez le mode d'emploi de vos préparations de gâteau pour faire votre moelleux au citron et ajoutez du colorant vert foncé en poudre. Personnellement, moi je le trouve chez Alice Delis. Lorsque vous allez remuer, vous allez vous rendre compte que le mélange va vite devenir très très vert et c'est ce qu'on recherche justement, un vert bien pétant. On enfourne ensuite le gâteau selon les instructions que vous avez sur votre emballage. Pendant que le gâteau cuit, triez vos Smarties. On va prendre du marron, du jaune et du vert. On peut prendre aussi des petites pointes de rose. Et on recouvre ensuite un chamallow avec du chocolat noir fondu. Avant de disposer les Smarties dessus, avec le chocolat, ça va bien coller. Tout ça va vous permettre de faire des beaux petits arbres. Passons maintenant aux petites fleurs. On prend des chamallows qu'on coupe en rondelles et on dispose 6 Smarties de couleur en finissant par un Smartie jaune au milieu. Et voilà, vous avez vos jolies petites fleurs. On passe ensuite à la cuisson du deuxième moelleux au citron et on ajoute cette fois-ci du colorant rose pour mettre un petit peu de peps dans votre préparation. On enfourne encore une fois selon le mode d'emploi de votre préparation. Et dès que vos gâteaux sont cuits, on les coupe en deux dans le sens de la longueur. Et on réserve de côté. On passe ensuite au montage. Commencez par un bout de gâteau vert. On étale ensuite du jus de framboise dessus. Et on dispose des petits bouts de framboise partout sur le gâteau. Recouvrez-le ensuite d'une couche rose, on aplatit bien et on reproduit l'opération avec le jus de framboise et les petits bouts de framboise. On finit enfin avec le vert et on recouvre d'une plaque avec un gros livre de cuisine dessus pour aplatir le tout. On passe ensuite aux finitions, on étale du Nutella à l'aide d'une spatule sur les côtés du gâteau et on y dispose les petits fingers bien collés les uns aux autres. Ça fera un effet de clôture à la fin qui sera très très joli. On enroule enfin un flot autour pour que tout se maintienne bien. Et personnellement, j'ai même rajouté un petit peu de Nutella autour pour que les fingers soient bien accrochés au gâteau. On gratte un peu avec une fourchette pour donner un effet mousse au gâteau. Ça fera un effet pelouse ou un effet mousse comme vous voulez. Ça fera très joli. On ajoute enfin notre petite déco avec les petites fleurs.
Et avec un emporte-pièce, on vient faire deux ronds de vermicelle de chocolat pour faire comme de la terre. On pique un mikado dans notre arbre qu'on vient piquer au centre du rond de chocolat. Et voilà, vous avez un joli garden cake qui ravira tout le monde et qui fera très joli sur votre table d'été. Bon appétit à tous !